Les plus beaux endroits visités au Maroc, gorge de la vallée du Toudka, Merzouga et Ben Haddou, gorge du Dadès, cascade d'Ouzoud, Casablanca, Fès, Marrakech, Sefsaouen, Rabat, Tanger, Moulay Idriss Zerhoun, les arches de la plage de l'Exira, les gorges de Tougra se découpant dans l'épaisse couverture du calcaire du mont Atlas. Elles sont parmi les plus belles du sud marocain. C'est là notamment qu'il fut tourné les films Laurence d'Arabie et 100 000 dollars au soleil. Les gorges de Tougra sont aussi un paradis pour les amateurs de l'escalade. Situé à deux pas de frontière algérienne, il est niché dans une débule de sable qui en font un endroit idéal pour explorer le désert du Sahara. Si vous êtes vraiment chanceux, vous pourriez même apercevoir quelques flamants roses. Le trajet depuis Marrakech peut durer jusqu'à 10 heures. Alors, assurez-vous d'avoir un chauffeur ou un guide qui vous emmènera. Vous pouvez généralement associer cela à une nuit dans les yaourts de désert. Peut-être l'un de nos endroits préférés au Maroc, Ait Ben Haddou est un site de patrimoine mondial de l'UNESCO qui semble être creusé dans la montagne elle-même. Ce petit village est connu localement comme Igrim, quelque chose de similaire à un village fortifié et protégé, qui était autrefois utilisé comme un point d'arrêt pour les commerçants à travers le désert. Bien que très peu de gens vivent ici maintenant, c'est toujours un village incroyablement beau à voir. Assurez-vous d'arriver tôt pour éviter la foule et ce soleil intense de midi. Trouver certaines des meilleures choses à faire au Maroc est même difficile lorsqu'il s'agit de sites naturels tels que les gorges du Dadès. Sculpté par la rivière du Dadès, c'est l'endroit où vous devriez vous diriger pour avoir de magnifiques panoramas. De plus, si vous êtes un mordu de zoologie, vous allez adorer. Vous pouvez également faire quelques randonnées différentes autour des gorges. Assurez-vous simplement d'y aller avec un guide, car le terrain
ne vous sera pas familier. Proche du village de Negmilit, une cascade de Zoud est un super coin à voir dans les montagnes de l'Atlas. Vous pouvez visiter les sites lors d'une excursion de journée au départ de Marrakech si vous n'avez pas envie de quitter la ville pendant la nuit. Il n'est pas recommandé de nager dans les sites en raison des courants et du manque de sécurité, mais vous verrez probablement quelques personnes se baigner sur les côtés. Sans conteste, c'est l'un des sites les plus beaux à Casablanca. Doit être à la mosquée Hassania. C'est d'une beauté à couper le souffle et c'est un moindre endroit à voir quand on est en ville. Si vous cherchez de la poterie ou de la maroquinerie locale, rendez-vous au quartier Habous où vous trouvez de nombreux trésors à rapporter chez vous. Vous trouverez également quelques bons endroits dans l'ancienne Médina. Si vous êtes à la hausse d'un bon endroit pour manger, rendez-vous à Almounia qui sert des tagines et l'agneau les plus savoureux. L'une des meilleures choses à propos de Fès est la scène culturelle florissante, et elle est remplie de tout, de galeries d'artistes, de l'histoire, de l'artisanat incroyable. C'est une ville à ne pas manquer. Lorsque vous êtes, assurez-vous de visiter la Médina, vous aurez la chance de voir de nombreuses tanneries si vous le souhaitez. Pour quelques magnifiques bâtiments marocains, dirigez-vous vers Ndras el Bouanania ou la tombe des Mérinides en ruine. Vous allez adorer le Sarm et c'est vraiment l'une des meilleures choses à faire au Maroc. Thank you.
Marrakech a besoin de peu d'introduction. C'est probablement la ville la plus connue de tout le Maroc, du moins à l'international. Assurez-vous d'explorer le marché et les souks pour trouver de belles trouvailles. Admirez le magnifique jardin mazoréen. Visitez la Madrasa Ben Youssef, le palais El Badi et promenez-vous dans le palais El Bahir. Une mise en garde contre les semeurs de serpents que vous voyez dans les rues. Souvent, les serpents sont capturés dans la nature et certains ont même la bouche cousue et les crocs retirés. Ils ne peuvent pas donc vous nuire. À environ 60 km au sud de Tanger, sur Saône, il y a un village emblématique que vous aurez probablement vu partout sur Internet. Ce sont vraiment les sites les plus emblématiques et les meilleures choses à faire au Maroc. La vieille ville est littéralement inondée de bâtiments bleus qui en font un endroit unique à voir. Assurez-vous de visiter la Médina, vous y trouverez une expérience beaucoup plus relaxante et qu'un par rapport au souk de Marrakech. La mosquée espagnole est également un super petit endroit à voir. Percé sur l'océan Atlantique, Rabat est la capitale du Maroc. Assurez-vous de visiter la ville de Qasba d'Oudaïa, de voir la tour de Hassan et d'explorer le palais royal. Pour des plats savoureux, rendez-vous sur Dar Zaki qui sert une soupe de harira réconfortante. Au point d'entrée de la mer Méditerranée, Tanger fait face à Gibraltar et à l'Espagne de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Assurez-vous de visiter la Médina, puis, on le dit dans sa grille, voir la grotte d'Hercule et entrer dans la Kasba de Tanger. Thank you.
Initié au pied du mont Zorhon, Moulay Idriss Zorhon est également un village important pour les habitants et les musulmans marocains. Ce fut le premier endroit où la dynastie Idriss est arrivée au pouvoir et a amené l'islam dans le pays. Autour de la ville elle-même, vous trouverez de nombreux itinéraires de randonnée et de marches qui sont super tôt le matin. À l'intérieur de la ville, vous trouverez de petites boulangeries pittoresques, des passoires d'olives et de nombreux cafés. Il n'y a pas si longtemps, certains des ars qui font la renommée de la plage de l'Axira se sont effondrés dans la mer. Maintenant, cela ne devrait pas vous empêcher de visiter. C'est toujours une belle plage, surtout au coucher du soleil. Vous pouvez toujours admirer les magnifiques falaises rouges et autres ars qui en circulent. Vous trouverez également de nombreux endroits gourmands. Il est toujours très populaire auprès des visiteurs. Donc, si vous n'aimez pas les foules, on vous recommande d'éviter des week-ends.